I'm getting by with my wicked ways. I'm loading up and I'm taking names. I wanna get my way. Eh bien, salut tout le monde, c'est CashGamer18 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Et oui, donc j'ai un peu cherché, hop, je suis désolé, le jeu était un peu au ralenti parce que je viens juste de démarrer l'enregistrement et en général il apprécie pas trop quand je démarre l'enregistrement en plein jeu. Et tout simplement il y avait un grand mystère qui restait et qui perçait en fait sur ce truc, parce que j'arrivais pas comme un gros bouffon, alors qu'en fait le problème était juste devant mes yeux. C'est juste que regardez, hop, le tonneau, je faisais ça. Hop, attendez, je faisais ça, on va le refaire, on a le temps, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas mis le chrono. Et là, j'étais bloqué. Et en fait, c'est tout simplement parce que, regardez, comme un gros bouffon, et bien voilà, on pouvait y passer dessus. Et ça, je n'avais pas fait attention. Et voilà, donc, le mystère pour l'instant de la vidéo. Hop, attendez, c'est normal, si je bouge pas, c'est rien que je vais mettre le chrono. Voilà. Donc, le mystère de l'épisode 5 est résolu. Donc, maintenant, en espérant qu'il n'y en aurait pas trop. Donc ok, donc là j'ai une bouteille. Donc c'est vrai, il me semble bien. Hop, il n'y a pas un indice par là. Non, il n'y a pas d'indice. C'est vrai, il me semble qu'à un moment donné il faut jeter quelque chose. Ah non, je m'étais dit oui qu'il fallait jeter un truc. Je pense que je vais distraire le garde en jetant une bouteille de pif par là. Hop. J'essaie de la jeter par là. Hop, cours par contre, cours. Parfait. Attendez, je vais. Tant qu'on y est, on va distraire l'autre garde. Au moins, il nous fera plus chier. Ah, mais on peut pas. On peut pas, je crois pas. Enfin, on va essayer. De toute façon, on est dans une vidéo découverte. Non, parce que c'est pas le début du jeu. Mais je veux dire, on découvre en même temps tout le monde. Enfin, voilà. Donc, pourquoi pas voir si si on va essayer un peu tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Hop, attendez, je vais rien qu'essayer de faire ça et ensuite de la lancer par là. D'accord, bon, non, en fait, non, rien. Donc, j'ai encore dit une merde. Donc, ok, donc là, on va pouvoir accéder à la salle des machines. Donc, je sais pas, enfin, j'ai dit salle des machines parce que regardez. Il y a un petit engrenage juste au-dessus, mais après, est-ce que c'est la salle des machines? Le mystère perce, on va pouvoir voir ça dans quelques secondes. Et non, pas du tout, ce n'est pas la salle des machines, mais plutôt l'armurerie. Hop, donc le levier est là. Et après, non, hop, attendez. Et après, normalement, je vais savoir quoi faire parce que j'ai imaginé la suite du jeu tout seul. Hop, parce que là, on délivre notre chien. Et notre chien va nous être d'une aide très précieuse, il me semble. Pourquoi je dis ça? Et c'est tout simplement parce que... Oh, le joli chien. Je vais lui péter la gueule. Ah merde, mais je peux pas lui péter la gueule. Mais c'est bon, arrête. Voilà. Bim. Ok, donc ça c'est bon. Hop, maintenant, chien, viens vers moi. Ok, donc ce qu'il va nous falloir faire, nous, ça va être... Hop, qu'est-ce que c'est en X? Je vais aller voir. Alors, attendez. Désolé si j'ai mis mute à un moment donné, enfin si j'ai coupé mon micro, parce que je sais pas si ça s'entend ou pas quand je coupe mon micro. Mais c'est parce qu'en fait tout simplement j'ai éternué, voilà, comme un gros éternueur, vous voyez. Donc forcément... Non, mais viens ici, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est moi ton maître, viens avec moi. Hop, passe-moi les clés, tu serais gentil. Merci petit chien. Hop, parfait. D'accord. Aussi, en parlant de ça, j'ai reçu une lettre de Google. Donc je sais vraiment pas pourquoi, mais bon, c'est pas l'important. Je sais pas, en plus c'est écrit en anglais, donc comme ma soeur est plutôt pas mal en anglais, ça peut toujours servir.
Oui, je vais me servir de ma sœur, et alors? Et alors? Pas de ma faute si je suis pas très fort en anglais. Non, mais ça va, c'est... Je me débrouille plutôt pas mal, donc normalement, je vais savoir qu'est-ce que c'est. Bon, même si j'imagine déjà ce que c'est, hein, mais bon. En gros, bah, en gros, bon, je vais pas vous le cacher. En gros, bah, c'est tout simplement pour que... Hop. Voilà. En gros, bah, ouais, c'est tout simplement pour, bah, pour monétiser mes vidéos et gagner de l'argent. Donc, je pense pas que je vais le faire. Parce que, bah, tout simplement, il faut lier un compte bancaire. Et j'ai pas envie de tout simplement donner mes informations bancaires à Google. Attendez. Et puis même, je sais pas, c'est pas... Enfin, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je le ferai. Même, c'est sûrement qu'à un moment donné, je le ferai. Bon, sauf si, bien sûr, je gagne pas énorme. Donc, forcément, ça vaudra pas le coup. Mais après, si ça vaut le coup, ben moi, je veux dire, pourquoi pas. Au moins, ça pourrait améliorer les vidéos. Mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je vois pas comment on peut... Attendez, je vais essayer d'aller là. Non, d'accord. Ah, attendez, je vais essayer aussi d'aller là. D'accord. Ok, ben bah, tout va se passer dans cette salle. Donc, d'accord. Ok, non, moi je te demande de faire ça. Ok, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais rien que regarder un indice peut-être. Bon, les indices en fait me servent strictement à rien puisque je sais déjà ce qu'il faut faire. D'accord. Donc... Attendez. Mais je sais pas, moi faudrait que je trouve un moyen en fait d'aller où tout simplement il y a mon chien. Hop, moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Ok, donc là, jusque là, moi il me semble que c'est bon. Mais j'aimerais bien que mon chien le récupère en fait. Mais je pense qu'on ne peut pas parce que mon chien est un petit chien sans défense. Hop. Je peux pas aller par là, non. D'accord. Là, moi, il n'y a absolument rien à faire. Ok. Ah, j'en ai marre d'être bloqué comme ça. Hop, attendez. Allez, deuxième indice. D'accord. Forcément, il y a un truc à faire ici. C'est ça. Peut-être mon chien, non? Je ne vois pas du tout en fait ce qu'on peut faire. Bah oui, petit chien. Mon petit chien me dit... Il y a un truc à faire ici. Mais quoi? Ah, d'accord. D'accord. Hop, et je peux... Ah, par contre, je peux pas l'escalader. Est-ce que je peux le pousser plutôt? Ouais, voilà, parfait. Vous avez vu comment parfois bah, je peux galérer tout simplement. Non, toi, vas-y. Voilà. D'accord, ben... Bah. Bon, pour une fois, les indices m'ont été utiles. Donc, je dis merci les indices. Et à la fois prochaine, allez salut, non je déconne. Hop, je regarde vite fait le petit chrono, on est à 8 minutes à peu près, donc ben moi ça me va. Ça me va, je vais peut-être faire... Je vais peut-être faire une vidéo de... Je sais pas, allez, un quart d'heure, après j'enchaînerai avec une autre vidéo d'un quart d'heure au moins, mais on aura le plein de vidéos. Je pourrais vous en poster en avance et tout. Comme ça, ben, je serai tranquille si j'ai un problème ou si je pars ou je sais pas. Hop. Donc là, il y a un truc. Alors, pourquoi le mec s'excite sur sa mitraillette? D'accord. Oh, magnifique.
Oh, c'est magnifiquement bien ça. Oh, on dirait Sniper Elite. Merde, j'aurais peut-être voulu toucher le dirigeable. Au moins, c'est sûr, peut-être qu'ils seront morts. Le baron Van Dorf leur avait encore échappé. Et je me tais. Mais Emile avait quand même réussi à trouver les médicaments pour Freddy. Il repartit rapidement. Au terme d'un périple qui les mena jusqu'à Reims, ils finirent par retrouver la trace de l'insaisissable baron Van Dorf et de son dirigeable. Allez, même moi je dis, il n'en a pas marre de se faire toucher par des obus, ce petit chien. Ah, d'accord. Ok, donc là c'est pas trop le moment de sortir, mais on n'a pas trop le choix. Non, mec, tu vas crever. Non, c'est bon. À chaque fois, je suis limite. Bon, forcément, ouais, fallait mourir, hein. Forcément, c'est trop difficile ça pour moi. Ok. Donc. Hop, pousse-toi vite. Tu vas crever, mec. Tu vas crever. Allez, bon, jusque-là, c'est pas trop difficile. Oh putain, je vais crever. Oh putain, va. Fais chier, va. Bon, de toute façon, je vais pas rager quand même comme la dernière fois. Hein, sinon, autant carrément arrêter la vidéo. Parce que, de toute façon, en parlant de ça, c'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu arrêté l'ego. Parce que normalement, je suis à l'épisode 5. À l'épisode 5, en fait, tout simplement, ben, j'ai été pris par une telle rage que, ben, tout simplement, j'ai. À l'épisode 5. Hop, attendez, je vais me taire. Voilà, en fait, à l'épisode 5 de Lego, eh bien, en fait, tout simplement, j'ai tellement ragé que j'ai décidé de ne pas poster ce truc. Hop. Alors, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Je vais t'aider. Mon chien ne veut pas m'aider, peut-être, non? D'accord, donc, il faut regrouper les gens. D'accord, non. Oh putain. D'accord, donc. Tout le monde veut retrouver. Non, tu ne vas pas crever. Merde, hey, je voulais sauver le mec. Et vous avez vu, en voulant sauver un mec, j'ai tout simplement déconné et. Ah, toi par contre, toi, je sais où aller. Elle est là. Bon, t'énerve pas, toi. T'inquiète, je vais venir. SOS, il te faut un levier. Bon, peut-être que c'est par là qu'il faut aller, hein. Bon, par contre, j'aimerais bien aider tous ces gens parce que c'est quand même assez triste, hein, ce qui leur arrive. Ben, viens. Ah, oh, d'accord. D'accord. Ben, moi, attendez, moi, je vais vous dire que je vais passer par là. Hop, au moins, voilà, attendez, je vais atterrir en bas. Ça, c'est peut-être un indice, ça, ouais. Une salopette, hé. Après, bon, franchement, plus j'y joue à ce jeu et plus je me rends compte que c'est vraiment un super jeu. Franchement, vu comment il était, enfin, il a vraiment été super bien développé. Après, c'est... C'est triste à certains moments, enfin c'est triste, je vais pas pleurer, mais c'est franchement c'est triste, mais en même temps c'est la vérité. Et encore là, franchement, ils ont bien estompé pardon, le truc.
Hop, ouais, ils ont bien estompé le truc parce que normalement c'est quand même plus grave, c'est... Voilà, encore ils montrent pas les tous les corps déchiquetés et tout quoi. Donc... Attendez, par contre il me manque... D'accord. Bon, ferme ta gueule toi par contre toi parce que... Hey, y a des gens morts. Et lui, comme ça, lui, il arrête pas de s'apitoyer sur son triste sort. Ce petit enfoiré. Mec, mais c'est bon, c'est pas comme si t'allais crever, quoi. Attendez, je vais chercher le levier, par contre. Le levier, il doit être peut-être par là. Je sais pas du tout par où il est. Je ne le vois pas du tout. Je cherche un peu partout de mon regard. Peut-être... Ah, je sais. Enfin, je sais. Non, je sais. Ah, d'accord. Ah bon, on peut aller ici. Bon, par contre, mon chat s'est téléporté. D'accord, donc là, ma mission principale va être de sauver toutes ces personnes. Bon, après, par contre, là, je sais qu'on est déjà arrivé à 15 minutes de vidéo. Donc, je pense, ben, tout simplement, qu'on va... je pense qu'on va jouer les Superman dans une prochaine vidéo. Donc, ben, moi, je vais vous dire à la prochaine fois. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Et puis, surtout, jouez bien à Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Oui, je prends ma voix de documentaire animalier, vous voyez. Et ben, pour ça, moi, je vais vous dire à la prochaine fois. Ah, putain, mais il y a plein de gens, là, qu'il faut sauver. Ah, d'accord. Donc, ben, moi, je vais voir ça la prochaine fois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, vous me rendez... vraiment heureux en regardant mes vidéos, c'est vraiment super, c'est sublime. Non mais vraiment franchement, merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir. Et je vais vous dire, ah d'accord, et je vais vous dire à la prochaine fois. D'accord, et je vais vous dire à la prochaine fois, portez-vous bien et puis bonnes vacances tout le monde.